Chilton. Attention, la Castro Neves, mais j'ai perdu. Dans le mur pour Elio. Au moins, le safety car va pas durer très longtemps. Il est déjà dans la pit lane. Il restera à 3 victoires. Elio, Spider-Man, voilà. Comme on l'avait surnommé. Il était 5e. Et c'est le premier abandon chez Penske. Le captain. C'est mis un gros caramel quand même. Et beaucoup de crash, hein. Une seule voiture. Hein. Il y a eu juste Davison et Sato. Et sinon, à chaque fois, c'est des pilotes qui partent à la faute tout seuls. Ouais, il est énervé, Castroneuve. Il a sans doute fait une erreur. Et il a beaucoup de supporters à Indianapolis, évidemment. Et il est très, très énervé, Elio. C'est une des superstars de la série. Ouais. Triple vainqueur. Il est énervé. Ouais, et puis il venait pour faire une pige. La voiture qui réagit vraiment énormément dans les turbulences. Ouais. Hunter, il a encore eu chaud. Il était juste derrière. Derrière Simon Pagenaud, le Brésilien. Hunter qui l'évite, mais alors. Non, rien. On peut le voir là, on a un nouveau changé de chapitre dans cette course qui commence à être vraiment dynamique et on a pu voir nettement. Ouais, on perd la voiture. Beaucoup plus de dépassements aussi au milieu fin de peloton. Les pilotes savent que s'ils veulent avoir une carte à jouer, il faut qu'ils remontent dans le top 10. Et avec Hunter qui était juste derrière. Là, c'est le réflexe, il y a la fumée. Tout de suite, ils se remettent sur la map. Ouais, vous avez vu, c'est vrai. Effectivement, j'allais le dire, c'est vraiment le réflexe de l'Indy 500 et des courses sur ovale. Dès que ça tape, hop, tout de suite, on saute sur les cartographies moteurs pour vraiment économiser du carburant. Ouais, ça montre bien à quel point. Il venait juste d'éviter Castro Neves. Ouais, il passe avec Castro Neves contre lui et il est en train de bricoler le volant. J'ai encore plein de pronostics qui viennent d'arriver. On est suivi ce soir. Je vous les donne.